jour, j'ai cru que je pouvais sauver le monde. C'était peine perdue. Nouvel attentat perpétré par un augmenté. Les 251 passagers du vol 451 de la compagnie Sista Airlines ont été tués après qu'un passager augmenté a fait irruption dans le cockpit et sauvagement massacré l'équipage. Selon les enregistrements de la boîte noire, l'homme aurait revécu un flashback de l'incident des augmentés. Ce jour funeste, il y a 2 ans, où toute la population augmentée du monde a été prise d'une crise de folie meurtrière qui s'est soldée par le bilan humain le plus lourd de l'histoire récente. Parfois, il faut savoir lâcher prise et accepter ce qu'on est devenu. N'allez pas nous péter un câble maintenant, l'amplifié. Dites-moi. Si je pète un câble, vous aurez pas le temps de vous en rendre compte. Agent Jensen, est-ce que vous allez me poser un problème ? Non, chef. Il n'y a pas de raison que ça arrive. Bien. Parce que vous êtes le seul et unique agent augmenté de cette équipe. Et j'aurai besoin de vous jusqu'au bout. Écoutez-moi tous. On a une tempête de sable et elle nous fonce droit dessus, alors on n'a aucune marge d'erreur. Notre objectif est un trafiquant d'armes. Son nom est Shepard, un ex-Bell Tower. C'est l'un des commandants des forces spéciales qui a disparu pendant l'incident. Et il vient se montrer ? C'est pas bon signe. Effectivement. Il est là pour vendre des armes et des augmentations militaires à des terroristes. Voici Arun Singh, l'agent infiltré qui a réussi à faire sortir Shepard de sa planque. Le meilleur atout d'Interpol. Ça fait 3 ans qu'il fait tout pour tisser des liens avec les djinns. Un cartel de contrebande irakien qui a infecté l'hémisphère est comme la peste. La semaine dernière, notre trafiquant d'armes a contacté les djinns pour leur proposer un gros paquet de marchandises de contrebande à prix cassé. Ils ont dit à Singh de s'en occuper. Ça va pas leur plaire qu'Interpol déboule comme ça. La couverture de Singh est en béton ? En béton armé. Et il faut qu'elle le reste. C'est là que la transaction aura lieu. Un gratte-ciel hôtelier en construction, laissé à l'abandon depuis l'incident. Je vous préviens, c'est pas très joli à voir. Je crois que je devine. La plupart des ouvriers avaient des augmentations industrielles ultra-résistantes. Quand ils ont tous pété les plombs, le jour de l'incident, ça a très vite tourné au bain de sang. Et à part quelques junkies sans abri, personne n'y a plus jamais remis les pieds. Quel est votre plan, directeur ? Singh doit rencontrer Shepard au rez-de-chaussée, dans le hall principal de l'hôtel. Il a posté la plupart de ses hommes au niveau des appartements-terrasses pour avoir un avantage. Macready, avec votre équipe, prenez les positions avec vue sur le hall et arrêtez-les. Jensen, vous passez par le toit, en solo. Et mon objectif ? Empêcher les djinns de se joindre à la fête. D'après nos informations, il n'y a qu'un seul moyen de rejoindre le hall depuis le dernier étage. Une cage d'ascenseur à peu près viable. Ici. Je veux que vous en bloquiez l'accès. Ok, je m'en occupe. Vous croyez vraiment que vos augmentations suffiront sur ce coup-là ? Vous feriez mieux de vous équiper un peu, mon vieux. Prenez pas le risque. Faut pas oublier notre agent. Il aura moins de mal à conserver sa couverture s'il n'est pas le seul survivant une fois l'opération terminée. C'est pas bête. Ouais, parce que s'il lui arrive quoi que ce soit, c'est vous qui préviendrez sa femme, une fois que vous serez sorti de l'hôpital. Quelle portée vous voulez ? Vous verrez, il y a pas mal de grands espaces et de hauts plafonds là-dedans. Mais aussi un certain nombre de pièces assez étroites et exiguës. Ce petit bonheur a la chance, en fait. Je compte pas y aller pour jouer au dé. Donnez-moi une arme à longue portée. Entendu. Vous aurez moins de chances d'être vu et de compromettre Singh comme ça. Une dernière chose, Jensen. D'après Singh, les djinns se servent d'un genre d'appareil Wi-Fi portatif pour amplifier leur communication. Il aura une meilleure chance de conserver sa couverture si vous le désactivez. Je vais faire de mon mieux. Mais on n'est pas un peu pressé, là. Vous avez parlé d'une tempête de sable. Oui, en effet. Et comme on a eu les infos sur cette mission un peu à la dernière minute, il va être temps qu'on s'affole. Dans le pire des cas, votre priorité numéro 1
c'est d'empêcher les djinns d'approcher du hall. Bien sûr. C'est l'heure de ranger vos sourires, messieurs. On sera bientôt arrivé à destination. Passez devant, Jensen. C'est parti. Task Force Actual, ici Knife Leader. Je passe en mode furtif et je descends à 15 000 pieds. Team Leader, ici Jensen, je suis sur le toit. Reçu 5 sur 5. Entrez dans le bâtiment. L'accès que vous devez bloquer est à l'autre bout des appartements terrasses. Et n'oubliez pas, le chemin le plus court ne sera pas forcément le moins risqué. Bien sûr. MacReady nous préviendra dès que son équipe sera en position. Terminé. Jensen, on progresse dans... Ah, merde! Qu'est-ce qui se passe? Les djinns ont mis en place tout un tas de générateurs. On va devoir pirater ça. Des couleurs et des formes, ça devrait vous plaire, MacReady. Oubliez pas, le rouge, c'est pas bon. Allez vous faire foutre.
Programme de suivi lancé. Accès permis. Thank you.
ومن الأفضل إلنا نجيب أسلحة جديدة. نفس بصعوبة. Jensen, Mac, écoutez-moi. D'après les données du radar, la tempête de sable est tout proche. Elle est énorme et elle va tout dévaster. J'ai horreur du désert. Visuel confirmé ? Confirmé. Le temps joue contre nous. Bien sûr. 5 sur 5.
Bien, il y a beaucoup trop de choses qui reposent sur cette transaction. Je ne voudrais pas qu'on soit trop coupé. McCready, comment ça se passe? C'est plus lent que prévu. On dirait que quelqu'un a retourné la terre d'un cimetière par ici. Pardon? Quand tout est parti en couille en 27, les gens ont dû se ruer vers les escaliers. Il y a des cadavres partout. Il y a même des cousins à vous, Jensen. Vous voulez que je vous rapporte une petite pièce de rechange? Non, mais je prendrai un nuage de lait et de sucre, si vous voulez bien. On n'aurait pas dû venir ici. Jensen, où vous en êtes? Je suis en train de traverser le dernier étage. N'oubliez pas de chercher l'amplificateur de communication des djinns. Si vous le trouvez, désactivez-le. Bien sûr.
ملاهي هذيك كانت فكره بنيله بنيله. شوفوا اذا كان يعرف اي حاجه. هم لسه عايشين وبيتنفسوا. شوفوا اذا كان يعرف اي حاجه. خدوا في حته تحتها نشوف اللي حصل. Jensen, où vous en êtes? Je suis en train de traverser le dernier étage. N'oubliez pas de chercher l'amplificateur de communication des djinns. Si vous le trouvez, désactivez-le. Bien sûr. Ugh.
Que tout le monde m'écoute. Chang a piraté le signal radio des Jin. On vérifie notre connexion. On devrait entendre Singh d'une seconde à l'autre. Khalil, le gars qui a fait les choses vient encore un peu. Va dire aux autres que je vous ai rassuré. Et laissez-vous attendre. On est connecté. On reçoit bien. Bien. Je nous reconnecterai quand ça commencera. L'amplificateur des djinns. Il devrait avoir plus de mal à écouter l'échange. Beau travail. Avec un peu de chance, Singh sortira de tout ça avec sa couverture intacte. Bien reçu. Je me dirige vers la cible principale.
Jensen, on est dans le hall. On prend position sur les terrasses. Vous en êtes où? Je suis en chemin. Ouais, ben grouillez-vous. L'hélico ennemi va pas tarder, la tempête non plus. Vous avez désactivé l'amplificateur? Affirmatif, je l'ai grillé. Alors notre robot a un cœur, finalement. C'est sympa de prendre soin de l'équipe. Terminé. Ici Jensen. Accès au dernier étage sécurisé. Les djinns poseront plus de problèmes à vous. Bien reçu. C'est pas trop tôt. Hélico ennemi en vue. Très bien, Strike Force. Maintenez la position. Strike 1, en position. Strike 2, arrêt. Strike 3, ouais. Strike 4, on tient la position, chef. On ouvre l'œil et on vise juste. Sans déconner, petit malin. Surveille ce que tu dis, Hallyday. Fermez-la, tous les deux. 5 en position. Tout le monde sur le coup, messieurs. Signe à l'acheteur en visuel. Je vous connecte maintenant. La cible est dans la zone. N'oubliez pas, Signe est là. Faites gaffe où vous tirez. Vous avez du cran. Faire une vente avec une tempête de sable au cul. C'est plutôt Dame Nature qu'il faut féliciter, monsieur. Appelez-moi Shepard. Très exotique. C'est les armes? Du matos. Ça devient dur d'en trouver. Les armes sont dans l'hélico. Montrez-moi vite le fric qu'on puisse... Oh, putain! Shepard est mort! Quoi? Qui l'a tué? Dites-moi ce qui se passe en bas! Miller, c'est pas les djinns. Je répète, c'est pas les djinns. Ils veulent les armes! Ouvrez le feu! Ouvrez le feu! On engage! Ouvrez le feu sur eux! Ils vont prendre l'hélico, vous les avez? Négatif! Négatif! On se fait canarder de tous les côtés là! Faut surtout pas les laisser décoller, Jensen! Je m'en occupe. J'aime pas ça. Il se rapproche. On va perdre Singh! Jensen, je peux pas l'atteindre! Jensen, grâce à la tempête de sable, on a gagné un peu de temps. Mais vous devez à tout prix arrêter cet hélico! Bien sûr.
Jensen, équipe d'assaut, répondez! C'est Singh, je répète, Singh est mort! Bravo, beau travail, Jensen! Espèce de sale petite enfoirée de merde! Jensen, on a trop de temps! C'est maintenant ou jamais! Il faut arrêter cet hélico! Miller, l'hélico est à terre, je répète. Jensen! Y a pas de quoi le câbler. Merde. Artificielle jusqu'aux prothèses. Ordinateur de taille moléculaire. Une évolution contrôlée par l'homme, ouverte à tous. Nous fusionnerons avec les machines, les ordinateurs. Quand ce sera fait, les Illuminati ne pourront plus contrôler, comme ils l'avaient prévu, les hommes et les femmes comme vous. Des scènes d'horreur dans les rues de Détroit. La police est emparée des personnes mécaniquement augmentées. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubaï. Ils sont des millions à mourir. Des millions. La recherche de survivants à Panchayat n'est désormais plus qu'une mission de récupération. La République tchèque est à la tête d'une liste grandissante de pays demandant le déplacement des citoyens augmentés. C'est un nouveau monde, Adam. On a peur des gens comme vous. Relogés dans des quartiers sûrs, sécurisés. La crise a fermé ses portes aujourd'hui. T'attendais sûrement pas à ce que ça finisse en bain de sang. On est des victimes! On nous punit pour une tragédie qu'on ne pouvait pas contrôler. Ils contrôlent l'opinion. Ils manipulent les faits pour enterrer la vérité. Des détonations multiples, sans doute des voitures. Une nouvelle attaque terroriste, cette fois-ci dans un commissariat. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a chargé Interpol. Le nouveau groupe d'intervention et de renseignement antiterroriste aura une juridiction mondiale. Agent Jensen. Ça doit plus jamais se reproduire. Combien nous coûtent les événements de Dubaï ? Il connaissait les risques. Combien d'agents a-t-on perdu ? Tous. La tempête n'a pas aidé.
La mission est un succès. Clairement, vous calculez vos succès de façon généreuse. Cela étant, l'aspect erratique de l'attaque pourrait finalement jouer en notre faveur. Interpol sera longtemps perturbé, et sous nos conseils avisés, le public finira par changer d'avis. Après tout, nous sommes tous dans l'aventure jusqu'au bout. Ça ne changera pas. Vous croyez ? Il faut que je vous rappelle à quel point on s'est éloigné de l'objectif. L'incident a provoqué un vrai schisme social. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Et la situation s'aggrave de jour en jour. On ne peut pas tolérer ça. Si on veut imposer notre vision, les éléments perturbateurs doivent disparaître. Nous sommes tous d'accord. Vous et moi. Mais je vous en prie, laissez-moi aller à New York évaluer la situation. Nous avons peut-être déjà les voies nécessaires au vote de la loi pour le retour à l'humain, messieurs. Très bien. Stanton, accompagnez-le. Il faudra peut-être passer par une pression financière et politique pour faire taire les opposants. Faites donc. Elizabeth, je vous recontacte plus tard. Ça ne marchera pas, Lucius. Même avec l'argent de Dowd. Vous savez ce que Rand va trouver à New York ? Des hommes faibles, impuissants. Et sans savoir ce que compte vraiment faire Nathaniel Brown. Bien sûr. C'est pour ça que nous poursuivons notre stratégie alternative. Vous parlez souvent beaucoup, Paige. C'est l'occasion de faire vos preuves. Tout est en place. On peut commencer à votre signal. Vos communications sont sécurisées, Bob. Ces temps-ci, Janus semble avoir des yeux partout. Son collectif mastodonte et lui... Janus ne posera pas de problème. Je me suis arrangé. Dubaï a posé les bases. Maintenant, il faut attirer l'attention. Paige, activez la cellule dormante.